ce soit de mode. Mais monsieur Alexandre Hernandez, bonsoir. Bonsoir et bienvenue chez PALF. Hello. On est au Paris Guitar Festival pour l'édition de 2022. Absolument. Salut Swan. Salut Alex. On est ravis de se retrouver ici. Oh, c'est ah ouais, t'as vu, pas préparé. C'était pas préparé, mais on vous emmène avec nous. Vous allez voir à l'intérieur, c'est juste, ouais. C'est la... Ouais, parce que là, on n'est pas dans le salon, en fait. On est sur quelque chose de merveilleux, là, vraiment. Allez, on vous emmène. Venez voir ça avec nous. Alors là, on est sur le stand de PALF Anna Sounds, ouais. Et le stand des merveilles, en fait. Hein, Le stand des merveilles, absolument. Non, mais là, on est sur le stand de PALF, donc ouais. On a installé à l'entrée en fait, du beffroi, c'est tout ça. Bêtement. En fait, PALF, évidemment... cette année, t'as vu, il y a un stand énorme qui regroupe plein de marques. Bah oui, on a Two Notes qui est juste là, on ne voit pas Guillaume, mais il est dans le coin. On a tout plein de pedalboards qu'on a préparé pour vous. Ouais. Alors, Julien n'est pas là aujourd'hui. Oui, il n'est pas là aujourd'hui. Demain. C'est ça. On le verra à plein d'endroits. Ouais. Julien va apparaître. Il va popper. Moi, ce que je propose, il va popper et il va venir pour faire le tour des autres marques. Mais oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ce que je propose, c'est qu'on aille voir un petit peu tout ça, ce qu'il y a déjà sur le stand. Ouais, on va parler du stand. On va parler du stand. Allez. Alors, le stand, t'as remarqué, donc il y a déjà plusieurs éléments. Là-bas, on a gardé comme l'an dernier une zone vidéo. Ah, c'était chouette. L'année dernière, t'as quand même ramené le canapé. On était dans le studio PALF. Tu as rapporté le canapé et l'ampli. Quoi. On avait tellement fait un truc proche de ce qu'on a chez nous. Que les gens croyaient que c'était dans notre studio et qu'il y avait des problèmes de son. Mais c'est génial, voilà. Ouais, il y a eu des commentaires de gens qui disaient non, mais vous avez merdé sur le son et tout. Mais non, mais c'était génial. On est avec ces micros parce qu'on est sur un salon, ça permet d'atténuer le bruit ambiant. Mais non, mais voilà. Bon, là, cette fois-ci, on a fait un peu plus light sur ce coup-ci. Mais pour autant, il y a de quoi s'amuser. Bon, c'est un vlog, on est là pour raconter notre vie. De toute manière, vous êtes sur PALF parce qu'on raconte notre vie quelque part. Mais on va quand même essayer d'être concis pour pas trop vous embêter. Allez. Alors. Autre chose, qu'est-ce qu'on a sur le stand? Bon, on a une partie Anna Sounds, bien évidemment, mais on a aussi beaucoup de marques qu'on invite à parts égales. Et on avait envie d'être justement en avant plein de petites marques, plein de petites pépites qu'on présente sur les vidéos. Comment t'as procédé pour ça? Bah, tout simplement, je suis en contact avec des marques et celles avec qui j'ai un petit coup de cœur, je leur ai dit, bah les gars, venez, on fait un petit board. Ah, donc là, c'est les petits préférés, ce sont les petits favoris d'Alexandre. Ouais, ouais. Petit truc, t'as vu, on a sorti des goodies pour le salon. Regarde-moi ça. Il fera des petits plans de coupe, Thomas, ça, je pense. Mais... Ça, c'est quand même la classe. Ça a vu? Ah bah, l'arrière du panneau est magnifique. Hein, vu l'arrière d'ici. Du panneau est magnifique. Vu d'ici. Je... Donc là, le délire, en fait, c'est que finalement, on s'est dit qu'on allait faire un petit jeu entre musiciens. Bah ouais, un soir, là, tu sors tes boissons. Pas forcément alcoolisées, vous savez, il n'y a pas besoin de ça. Et en fait, t'as des sous-bocs. Par exemple, dommage, il est bassiste. Si malheureusement tu passes tes soirées avec un bassiste, bah, tu peux lui donner un sous-boc adapté à son contenant. Alors moi, il y a les sous-boc jazz et stacologue qui me plaisent tout de suite. Ah, stacologue, c'est un vrai métier. Hein. C'est merveilleux. C'est un vrai métier. Stacologue. Moi, j'aime bien toutes les notes sauf les bonnes. Hashtag le shredder. Mais oui, j'avais pas vu. Bah oui, toutes les notes. Voilà. Et il y a l'indémodable PALF. Voilà, le logo. Donc voilà, ça, c'est un petit truc sympa. On a voulu faire un concept un peu différent, c'est-à-dire que ceux qui veulent les goodies... viennent sur le stand et donnent la somme qu'ils veulent. Oui, exactement. Voilà. Comme mentionné sur ce... Ouais, on va peut-être pas montrer ça en vidéo. Ce dépliant. Qui est à l'envers, mais c'est pas grave. Ça y est, tu nous fais une petite présentation La Redoute. Tout professionnel. Non, PALF Shopping. On veut faire absolument un télé-achat, c'est-à-dire un achat de télécaster. Oui, on nous a dit qu'on fait un peu trop de télé-shopping. Oui. 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 Du coup, on va créer une section PALF Shopping, vous verrez ça bientôt. Ouais, ça va être marrant. Bon, voilà, il y a plein de petits goodies qui sont disponibles.
tout bêtement, il y a des tags. Il y a des agrafés, ouais, tu as il trop bien fait ton travail. Il y a des petits pims. Ouais. Putain, hashtag la faute à Palf, c'est très bon ça. Hashtag la faute à Palf. Bon, voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Mais évidemment, il y a aussi, et surtout, des pedalboards, des guitares. Ah, mais toi, t'es venu pour ça et de... Ouais, non. Oh, la flemme. Oh, la flemme. T'es plein de pédales et tout, t'es là, t'appuies sur plein de boutons. Oh là là. Mais tu les branches, il faut que ça marche. C'est ça le but, non? C'est vrai, tout à fond. Ah, là, toutes les pédales des 13 pedalboards, c'est nimp. Hein. Un petit zoom vite fait, là, un petit plan de cut sur le display de la Feedme qu'a fait Thomas, qui est derrière la caméra. Thomas a bossé comme un ouf, là. Ouais, il s'est amusé avec la ponceuse, de la colle à bois et de la peinture. Amusé, je sais pas, il était sous la menace. Hein, sous la contrainte. Ouais, le fusil à pompe, ça marche bien. Toujours. Je conseille. Voilà. Bon, on va faire le tour des boards. Allez, c'est parti. On est devant le board J-Rocket. Absolument. J'ai demandé à Swan quel est ton board préféré sur ce stand. Il a choisi J-Rocket. Non, mais je sais pas si c'était pour en parler. J'aime bien J-Rocket, moi. Ouais, en fait, c'est juste qu'on en a pas parlé, quoi. Bah voilà, on en a pas souvent parlé, donc je me suis dit, on va pas prendre d'autres marques dont on parle vraiment tout le temps. On va changer un peu. Voilà. Ouais, t'as pas envie de prendre une énième Walrus, quoi. J'ai pas dit ça. T'as pas dit ça. J'adore en plus Walrus. Alors en plus, est-ce que je peux te faire un petit résumé rapide de ce board? Bah, c'est-à-dire que je ne l'ai pas essayé. Tu l'as réglé pour moi au casque, mais moi j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc en fait, l'idée c'est juste que là, on peut attraper une guitare. Bon, forcément, j'ai pris la mienne. Se brancher, il y a un casque par pédalboard et essayer. Quasiment, ouais. C'est à peu près ce qui se passe toute la journée concrètement. Toute la journée, on donne des casques, des guitares, des jacks et on fait du stack. Là, c'est de la stackologie ce board. Stackologie sur 10. T'as bien choisi finalement parce que c'est un board que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que tu as deux Archers différentes, donc la Archer c'est la Clone Center, version J-Rocket, la Silver et la Gold. Et tu as la The Dude et la HRM qui sont des Dumbles. D'accord. Et la 45 j'adore, c'est un Marshall, c'est un Plexi. Ouais. Donc ça c'est top. Tout ça rentre dans la CS1 de Walrus qui va simuler ton ampli. Parfait. On écoute ça? Bah petit tour vite off. C'est parti. Oublie pas la loi d'Andy, la CS1 se défend bien quand même. First, here's my clean tone. Ah, très important. Là, on a testé des Clone Center et maintenant on va passer sur du Dumble. Voilà, t'as pu essayer? Ouais. Moi j'aime bien les Archer, mais ça change pas, je les aime bien. C'est cool hein. La 45 elle est cool aussi, la Colt 45. C'est une de mes préférées chez eux. Moi j'aimerais bien l'entendre sur un ampli, un de ces quatre. J'essaierai. T'as pas essayé sur le Kelt? Et non, on a jamais fait. J'ai jamais essayé, tu m'as pas autorisé. Ouais. Non, mais c'était pour ceux qui aiment les Woo, tu vois. On a fait avec d'autres personnes. La Dude, elle est mortelle aussi. En fait, ce que j'adore, j'ai pas essayé la Dude encore. Tu sais ce que j'aime bien chez J-Rocket? Ouais. Je connais pas forcément très bien leurs produits. Ça commence doucement, mais c'est surtout que j'aime les gratteux qui jouent dessus et le son qu'ils ont. Voilà. Donc du coup, moi j'aime Marc Lethierry forcément, par exemple. Bien sûr, évidemment. Marc Lethierry, quand il joue sur des J-Rocket, ça fait mal. Bon, il a sa signature, la mélodie, ouais. Justement. Mais enfin bon, bref, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais du coup, c'est une marque dont j'aime bien l'esthétique générale. On est quand générale. Même là pour spignoler, Swan. Hein. C'est vrai. Hein. Il faudrait qu'on fasse un J-Rocket, un de ces quatre. Je crois que c'est Dips. Plus ou moins prévu. Dips. C'est plus ou moins prévu, Swan. Hein. On va se faire ça. Mon cher Alex. Mais mon cher Swan. Franchement, ça marche pas trop mal. Donc là, en fait, ce qu'on peut faire sur le salon, c'est venir essayer n'importe quelle pédale sur n'importe quel pedalboard. T'as des ACS1 à chaque fois, mais t'as pété un... Quasiment à chaque fois. Y a des on a aussi mis des KBM, ce que tu notes, c'est cool pour ça aussi. Mais carrément. Mais là, on a des ACS1, on a des KBM, on a un Captor X même sur un ampli.
Donc voilà, tu peux essayer même sur un ampli. Ça, c'est cool. Complètement, oui, absolument. Ça, cool. Donc là, vraiment, on a de quoi s'éclater. Et surtout, c'est... t'as plein de marques qui viennent. Là, on a une douzaine de pedalboards, non, j'ai pas compté. C'est juste super chouette. Même 2, 13 4, avec le pedalboard à l'interne. 6, 8, 10, ouais, 13. 13 pedalboards. 13 pedalboards. C'est assez mortel. Voilà. En fait, donc... c'est vraiment... Non, mais c'est une... La caverne d'Ali Baba, on y revient. La maison de la pédale. La maison de la merveille, de la pédale merveille. Alors, sur Palf, on sait, il y a la chaîne YouTube. Il y a Palf.fr. Je rappelle encore une fois, Palf.fr, pour ceux qui n'ont pas compris. Le réflexe Palf. C'est vraiment le e-commerce où on retrouve toutes les pédales. Mais complètement. Voilà. Tu veux dire qu'on retrouve toutes les pédales. Il y a toutes les pédales sur Palf. Il y a toutes les pédales sur Palf. Bon voilà, ça c'est pour vous présenter le stand Palf. Voilà. Donc on espère qu'il vous a plu. Attends, on va montrer encore quelques petits plans, on va regarder. Demain soir, on inaugure la première Master Gas. Master Gas. Voilà, juste que vous sachiez, j'étais pas au courant et je... Donc c'est... apparemment demain soir... Bon, les copyrights quand même, Alex Delara, qui était oui. Là à une masterclass, voilà, il nous a dit « Oh bah tiens, un nom cool pour une masterclass, Master Gas !» Voilà, je trouvais ça cool. Demain après, tu fais le concert de démo à Nassans. Absolument. Et donc la Master Gas, c'est à 19h30 demain. Bon, maintenant, quand vous regardez la vidéo, c'est déjà passé. Hein. Bah oui, c'est vrai. Mais voilà, ça va être demain soir à 19h30 jusqu'à 21h30. On va faire ça plein de trucs. N'importe quoi. Il y aura une vidéo dédiée à ça. Ça va être vraiment bien s'amuser. Et on sera plusieurs. Concert de démo. Oui, il y aura Antonin, il y aura toi. Oui. Déjà, ça fait beaucoup trop de problèmes. Ça fait deux problèmes. Et donc voilà, on va faire une petite analyse de board. On va répondre à plein de questions, parce que je sais que vous avez plein de questions. Notamment, tout à l'heure, on m'a dit hey, comment on fait le son d'Hendrix? Bah t'inquiète, je vais t'apprendre. Eh ben, on appelle Hendrix. Oui, on engage Hendrix. Hey Jimmy. Bonsoir. Coucou. Si on veut expliquer un peu à lui là ce qui se passe. Oui. Nous sommes au Paris Guitar Festival. Paris Guitar Festival au Beffroi. Oh, at the Beffroi. You know le Beffroi, you should tour. Bon voilà, c'est le deuxième salon en 3 semaines. Mais oui, on est sur le deuxième jour du salon qui a lieu 4 mois après le précédent. C'est ça, ils sont un peu gourmands hein, quand même. Mais bon, apparemment il y a du monde. On a faim. Le salon est beau, le stand Palf est magnifique. Oui. Il y a des pedalboards partout. Trop. Voilà, j'ai mis tous les boutons à fond, ça m'a pris 20 minutes. Je savais que tu ferais ça. Mais c'est long du coup, vu qu'il y a plein de pédales. It's a commitment. C'est ça. Faut vraiment le vouloir, quoi. Faut aimer être con. Oui. C'est bon, jusqu'ici, tout va bien. On check y est. On y est, check. Grave. Grave. Bon, toi, tu t'es baladé un peu dans les allées? À fond dans les allées. Parce que toi, t'es ici pour travailler de toute façon. Très rapidement, tu ouais. Tu fais des démos de tous les instruments du monde pour montrer à quel point ils sonnent bien. Alors que c'est toi qui sonne bien, on le sait. Non, alors qu'en fait, c'est la salle qui sonne bien, c'est le playback. C'est le playback qui sonne bien. Ouais, alors je me suis un peu baladé et il y a des choses que j'ai trouvées super excitantes. Ouais. Super sexy. Alors vas-y. J'ai pas encore tout vu. Raconte tes excitations. Il y a un truc que j'ai pas pu aller voir dans le détail mais que je veux absolument visiter, c'est Boris Motherfucker. Bomo. Ça a l'air génial. Ça vaut le coup. Ça a l'air magnifique. Toi, il y a des choses que tu as vues déjà un peu ou... Bah, moi, j'ai retrouvé mon luthier d'amour Tony Giraud ce matin. Ouais. Qui n'expose pas parce qu'il s'en branle, mais qui est quand même venu ramener une guitare. Parce que c'est un mec bien. Une guitare Palf. Mais non. Si, c'est vrai, il va y avoir une girette. Ta gueule ! Donc, oui, je te disais, Tony,
Ouais, Tony qui est venu avec une guitare. A ramené donc une guitare qu'on va utiliser sur Palf et qui va rester au studio, donc je vais pouvoir utiliser sur toutes les vidéos. Ah ouais ! Ah trop bien ! Absolument. Ah génial ! Parce que jusque-là, j'étais pas spécialement satisfait des guitares que, qu'Alexandre me ramenait. Donc là, au moins, j'aurai une vraie guitare à jouer. Bon, elle a deux micros, mais j'en ferai mon parti. Et ouais, moi, j'ai vu aussi une sur notre stand, parce que je vais faire un peu corporate. C'est beau. Donne-nous tes sous, toi. Et non, pas toi. Donne-les-moi. J'ai vu la Oh Darling de Tamco. Ah, parce oui, que oui, je connaissais la Hallbender, forcément. Mm. Que je branche même des fois pour le plaisir. D'accord. Et pas pour travailler. Non. Et j'avoue que la Oh Darling au niveau look m'a complètement plu. D'accord. Voilà. Ouais. Bah là on a un pedalboard Tamco qui est. Je le vois pas d'ici, mais ouais. Et il y a aussi les éditions limitées Vomit Clodo de Bitronix. Non mais c'est clair, ça, ils ont pris deux génial. Peintures vertes et quoi, rose violet. Ouais, c'est ça. Voilà, et puis ils ont dégueulé dessus, j'aime beaucoup. C'est ça. J'aime beaucoup, c'est super genre, chouette. Enfin, ambiance. Ambiance punk à chien devant le monop de Valence. Mais oui. À 6h du mat. T'as passé trop de temps à Saint-Etienne ou Valence, toi. Ouais, ça me plaît ouais, beaucoup c'est, trop. C'est, voilà, c'est ça. On y va ? Allez, c'est parti. Puisque même. Même Thomas n'en a plus rien à foutre. Il nous regarde même plus. Il nous regarde même plus. Bonsoir. Nous sommes sur le stand imaginaire de Tony Giraud avec un extincteur. Donc, Tony, tu n'as pas voulu venir au Paris Guitar Festival. Donner tes thunes à l'organisation. Au lieu de ça, tu viens comme un sale punk avec ta housse et ta guitare. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les trois clampins qui n'ont pas suivi ta carrière fulgurante ? Non, je vais d'abord me justifier. C'est que je viens apporter une guitare pour Palf. You come, c'est you une belle gift. Mission. Voilà, c'est ça. Non, je venais juste apporter une guitare pour Palf, en fait. Bah ça oui. Tombait bien parce que je l'avais fini et il y a eu le salon. Donc et tu m'as ramené une plaque aussi pour une de mes guitares. Non. Non, parce que c'était hier soir. Ouais, mais hier soir, t'es dans ton atelier, que je sache. Oui, bah oui, je vis là-bas, je dors là-bas. Qu'on soit d'accord, Tony est au niveau où il fait des guitares tellement ouf que quand il termine une guitare, on organise un salon pour qu'il l'apporte. C'est juste qu'on soit bien d'accord. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Toujours plus. Bon, raconte, Tony, donc, qui es-tu ? Bah écoute, je fabrique des guitares en Normandie, à Évreux, des guitares électriques. Que tu connais un petit peu. Que je connais plutôt bien, voilà. Et que j'ai la chance de pouvoir jouer très régulièrement. Et puis voilà, écoute. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça, tu t'approches de la dizaine d'années, non ? Ouais, ça approche, ouais. Officiellement, la dizaine d'années approche, ouais. T'as prévu un... Eh, vous écoutez là ou... Hein ? Ouais. Est-ce que t'as prévu un modèle anniversaire ? Non, pas encore. Pas encore ? J'en fais déjà un joli quand pour je... le numéro 200 déjà ? Ouais, c'est fait, ouais. J'avais fait pour la 100 aussi et... Et, ouais, ce qui veut dire que là, celle qu'on a là, c'est la 212 ou un truc comme ça. Ouais, mais j'en suis. T'en es à 270. Non, déjà, non, non, c'est non. Ça. 20, 220. 220, putain. Bah écoute, moi j'ai très envie quand même que tu nous montres ta grosse guitare. Ouais, je la vois de derrière et je donc la, l'histoire, la c'est qu'on t'avait demandé une couleur et oui. T'as trouvé que c'était à chier et du coup t'as décidé que tu ferais la couleur que tu veux. Et donc elle est belle. Vulgairement, c'est un petit peu ça. Voilà. Ouais. Mais quand on avait décidé de la couleur sur nuancier, en vrai, ça allait pas. Ouais. Donc après, je me suis juste fait plaisir. Bah voilà. Et tu as fait donc une Racing Stripe. Exactement. Et ça, c'est quand même vachement chouette. La Racing Stripe, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est ce qu'il y avait sur les Mustang de la fin des années 60, notamment. Mais là, sauf... Je l'ai le Racing Strap, sauce, voilà, quoi. C'est ça, il est pas peint en fait, c'est on voit le bois et c'est le reste de la guitare qui est peint. J'adore. Donc c'est une Racing Strap négative. C'est ça. Natural Stripe. Without further ado, putain, vas-y, fais putain, péter. Oh tada ! Oh là 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 là. Attends, j'ai qu'une seule main. Le sexe ! Oh là 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 là. Elle a déjà un pain derrière, c'est bon, c'est Julien Prof. Oui, elle est relique. Oui. Oh là 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 là, mais quelle saloperie. Arrête. Oh là 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 là! Elle est canon! Mais regarde-moi ça! Elle est vraiment canon! Vous voyez que la tranche, vous êtes frustré, bah c'est bien fait! Vous aviez qu'à être là! Faudra regarder les vidéos Palf, on la joue pour voir le reste! Oh là! Non, vas-y, fais pas ta pute, fais voir! Voilà! Qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi cette bêtise! Qu'est-ce que c'est beau! Elle est comme une petite panthère! Hein. Apeurée, mais elle a envie de jouer avec ses petites griffes!
Merci Tony. Bah écoute, On a enfin une vraie guitare pour les tournages. Mais c'est... Oh là ça là c'est là. Cool. Non, vous en avez déjà. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, 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 c'est bien. Oh là là, tiens. Merci. Vous entendez comme elle sonne. C'est grave. <ça. rire> Faudra attendre la vidéo. Merci Tony, bah, merci écoute, de t'être déplacé. C'est cool. Et donc pour plus d'informations, ton site internet giroguitar.com. Tout simplement. Et du coup, il y aura bientôt des pédales Anasound à essayer à l'atelier. En toute logique. Voilà, si c'est un échange de bons procédés. Voilà, les gens qui veulent venir essayer, d'autant si c'est plus près de chez eux pour venir à l'atelier pour essayer une pédale. Ou, alors n'allez pas commencer pour autant à proposer à Tony d'échanger des pédales contre des guitares. Voilà, ça y est, il en a assez là pour voilà, le coup. Je vais avoir ce qu'il faut pour ma vie. Donc, À dans 6 mois alors. Juste comme ça. Salut les mecs. Welcome. Hello. Comment ça va? Ça se passe bien pour toi? Eh ben écoute, ça se passe bien. C'est un beau salon, il y a beaucoup de monde et puis on voit tous les potes, donc c'est cool. Voilà. On ne parle jamais de Kelt sur Palf. Bah non, c'est jamais. Vrai. C'est quand même un scandale. C'est, hein. C'est vraiment, on fait pas notre travail. Hein. Voilà. Kelt Amplification, vraiment la marque d'ampli qui fait partie de notre cœur, de notre âme, de notre ADN de Palf. C'est de beau. Palf. C'est ouais, beau. Ah, c'est beau. Magnifique. Non, c'est, ah, beau, magnifique. C'est beau. C'est beau. C'est la famille, quoi. Donc on utilise toujours le Kelt signature Axel Bauer. Bah oui. Et je vois que derrière moi, il y a un nouveau petit bébé quand même. Il a fait un petit. Il a fait un peu un petit, ouais, tout à fait. Alors il y a le F-Type et il y a un Axel Bauer qui a pris une petite jeunesse, c'est ça? Ouais, donc le F-Type, c'est un ampli qui, comme son nom un peu l'indique, avec le F est typé Fender, en fait, qui est inspiré d'un Fender Princeton. Ok. Mais qu'aurait bien mangé à la cantine, quoi. Il aurait pas mangé à la cantine. Voilà, qui a pris un voilà. peu qui a pris Donc, un y a une peu grosse poil. Alimentation par rapport à un Princeton. Il y a une plus grosse alimentation, plus ouais, gros ouais. transfo d'alimentation, plus gros transfo de sortie. Plus gros son. Et du coup, pour une plus dynamique, ça s'écrase moins dans les basses qu'un Princeton. Un son qui sera peut-être un peu plus moderne, mais qui va mieux prendre les pédales, par exemple. Et puis, d'autre part, il y a... Donc, tu es en train de me dire qu'il me faut ça en plus de mon Axel Bauer? Ça peut être pas mal, ouais. Ok, pour d'accord. Très bien, j'entends. Mais c'est un peu. Est-ce que ça donc, crunchouille Alors ça crunchouille. Ça peut déjà crunchouiller, mais surtout justement, par rapport à un Princeton, j'ai rajouté un petit mid boost là, qui va te permettre d'aller en, on va dire, Daisy Top Territory. Quoi. Ouais, ça crunch, voilà. Ça crunch, en fait. Ça crunchouille pas. Ouais. Et est-ce que ça crunch avec du gravier Ça crunch bien. Ouais, l'image de ZZ Top. ZZ Top. Dans les années 70, ouais. Hein, pas ouais. Pas dans les 80. Ouais, c'est ça, c'est pas 80-90. Non, c'est vraiment. Non. En fait, jusqu'à, en gros, jusqu'à 10h, t'es dans le domaine du vraiment du très beau clean Fender. Ouais. Et dès que tu commences à attaquer midi, et évidemment, quand t'es à fond, et là. Tu commences vraiment à avoir un son, peut-être, tu vois, le son un peu crémeux des années 60 à la Clapton, tu vois. Ok, super. Et si tu mets le boost. Super, super. Et si tu mets le boost, on est carrément, ouais, on part ouais. chez Billy Gibbons, quoi. Stylé. Donc, stylé. On peut tout faire avec ça, en fait. Et est-ce que tu arrives avec le Power Scale, j'imagine, c'est le Master Volume. C'est un super Master Volume. IPPMV. PPIMV, pardon. Ouais, absolument. Voilà. Ouais. Et lui, j'imagine que du coup, on peut le laisser bas et aller mettre du gain, quoi. Ouais. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est bien. Tu peux avoir du gros son, même pas fort. Peut-être pas être trop extrême sur les réglages, mais on peut vraiment réguler la puissance. C'est pour ça que je vais appeler Power Scale. Parce qu'on peut vraiment réguler le volume sonore et la puissance avec ce bouton-là. C'est stylé. C'est un Axel Bauer qui est un peu particulier parce que ça se pourrait bien qu'il parte en tournée avec Axel, mais c'est une version 100 watts. Ok, 100 ça watts. Va être une version 100 watts. Alors, du on a déjà poussé avec Swan le. C'est quoi? C'est un 40 qu'on a nous? C'est un 50. Ouais. 50 watts. 45, ouais. On a déjà poussé le 50 watts. On a une sensation de 300 watts. Ouais. Donc ça un 100 watts. Vrai. Ça fera 500. Ouais, c'est ça pas, fera là, 500 là. C'est pas tellement une histoire de volume sonore, si tu veux, mais le son est plus. C'est le headroom. Le headroom, bien sûr. Ouais. Et puis dans les basses, c'est plus tenu. Ça va être plus tenu, plus ample. Ah génial. Plus d'ampleur, mais le volume sonore n'est pas obligatoirement beaucoup plus fort, tu n'es pas obligé de le mettre plus fort. Mais il y a une ampleur qui est plus solide. Bon. Quoi. Voilà. Et avec un 2-12. Avec un 2-12, ouais. Voilà, stylé. Absolument. Bon, on a hâte d'entendre tout ça, Thierry. Ouais. C'était pour faire un petit tour sur ton stand, voilà, on n'aura pas l'occasion de se brancher. Non. Sinon, il va falloir demander aux gens de se taire. Voilà. Avec un 100 watts 2-12. Ils vont pas être contents. Ça va pas voilà. Le on n'aura pas la méthode le... Julien Bitoun en insultant tout le monde. Voilà, on va plutôt mettre l'ampli à fond et écouter ça. Voilà, c'est plus simple.
plus personne pour qui va. On peut faire tous les amplis si tu veux. Tous les amplis. Merci Thierry, merci Yvan, merci Swan. Bon, c'était cool, c'était un petit passage sur le, voilà, chez la famille, c'était évident. On se retrouve pour le prochain stand. Alors, Audiolite, c'est une marque française, une jeune marque française qui existe depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Ok, cool. On propose deux modèles, donc aujourd'hui une fuzz et un délai qui ont été développés et entièrement conçus et assemblés dans notre atelier à Montreuil. Et si j'ai bien compris, ton délire, toi, c'est le doom, les choses un peu ambiantes. Alors ouais, c'est clair, c'est des effets qui ont été conçus plutôt pour les gros sons, les accordages bas, les trucs comme ça, mais pas que, ça marche aussi très bien. Très bien sur tout le reste. Ouais, bah le délai, de ce que j'ai entendu, tu peux faire beaucoup de choses avec. Hein. Ouais, c'est des effets qui sont assez polyvalents, donc on part sur des sonorités assez classiques et on emmène l'utilisateur sur des utilisations extrêmes. Quoi. Ça roule. Alors, on va essayer ça rapidement. Là, on a un délai. Tu m'as dit délai basse PT2399, donc Analog Voice pour ceux qui suivent. Et une modulation assez poussée, un peu vibe, tu m'as dit. Ouais, exactement. On va s'écouter ça. Et donc on va écouter aussi du coup ta fuzz, tu m'as dit que c'était un truc que tu as développé from scratch quoi, il n'y a rien de comparable, c'est ta fuzz style doom que toi tu aimerais entendre. C'est ça, mais en fait au départ je l'ai conçu pour moi, pour notre son, et je suis parti d'une page blanche, je voulais tuner chaque étage, entendre exactement le son que je cherchais. Quoi. Ok, bah viens on se met ça, donc si j'ai bien compris là ça va, le premier switch ça va activer la fuzz et le deuxième ça va l'épaissir. Alors le premier switch, c'est une fuzz qui va d'un fuzz un peu garage, sur les gains les plus faibles, jusqu'à des fuzz extrêmes. Okay. Et puis le deuxième étage permet d'enclencher un boost, en gain et volume, et qui épaissit encore plus le son. On arrive avec. Ok, bah vas-y, on se fait ça. Allez. Moi, je trouve que la fuzz est mortelle. C'est un truc que j'aimerais bien essayer tranquillement sur Palf. Eh ben, voilà. Aucun problème. Hello ! On est de retour avec Gaël Ligé. Gaël Ligé, Anne-Sophie. Pas de micro. Salut. Et Anne-Sophie. Bon, on est sur le dernier jour du Paris Guitar, Festival. Voilà. Oh my God. And we are so thrilled to be here. Excuse me, I'm talking to the camera right now, so if you could just. Donc, on est sur le dernier jour du Paris Guitar Festival. Bah, sur le troisième en fait. Franchement, le dimanche. Hormis le stand Palf, c'était vachement bien. On a passé un très bon moment. C'était super cool, plein de gens sympathiques. J'aimerais remercier ma mère. Voilà, j'aimerais remercier mon producteur qui a toujours. J'aimerais remercier sa mère aussi. Et voilà, j'aimerais remercier la mère de Swan aussi parce que vous savez peut-être pas hein, mais moi je vais vous dire un truc, c'est que Swan est un fils samedi, et du coup à partir de là l'anniversaire de sa propre mère, c'est vrai, il s'en souvient, c'est vrai qu'hier j'ai appelé ça ma attaque, maman mais sec, hein. Non mais j'ai appelé ma maman à 23h41 pour lui souhaiter son anniversaire. Il est encore là. Je crois que on a bien résumé ce salon. C'est en gros ce qui s'est passé. C'est hier soir il y a eu un épisode
Oui, alors ça a été un épisode traumatique. Ouais, traumatique. Oui, non, c'est traumatique. C'est moi, je fais des néologismes. Je fais des néologismes productifs. Non, bon, hier, on a tourné un épisode en live sur la scène du bas. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose qui sera gardé, mais il y aura peut-être quelque chose. Il y avait une règle à respecter sur Palp, c'était jamais Swan et Gaël en même temps sur une vidéo. Mais tu sais que c'est vrai. Alors, en fait, c'est une règle. J'ai eu un énorme trou. Donc là, du coup, effectivement, ça a commencé à partir en vrille. Mais je pense qu'il y a une autre règle à mettre en place, c'est jamais Bitoon, moi et Swan sur le même plateau. Parce que là, je pense que c'est un truc de physique quantique, c'est-à-dire que l'univers s'effondre sur lui-même et t'as un espèce de trou noir de la connerie intersidérale. Mettez-nous un petit commentaire si vous voulez qu'il y ait Bitoon, Gaël et moi sur une même vidéo. Ils vont le vouloir. Les mecs, ils voudront pas. Ça va, voilà, ça va être dur. Non, que vous dire, c'était super cool en fait. C'était cool de revoir tout le monde. On a l'impression de sortir un petit peu de 1 an et demi, 2 ans de tôle. Donc très sérieusement, revoir des gens dans ces conditions-là, c'était chouette. Plein de belles guitares, plein de beaux matos, plein d'opportunités. Nous, avec Anne-Sophie, on a shooté quelques vidéos avec The Guitar Division. Ça s'est bien passé, bien. Franchement, au matin levé, là, tôt, à peine un petit café, hop, c'était parti. Qui croustille et tout, qui est monté sur routine. Sans le croissant, rien dans le ventre, et hop, vas-y, joue. D'accord. Avec une équipe formidable. Équipe formidable, ils ont été vraiment trop sympas, ultra ultra mignon, ultra pro, un lieu magnifique. On a hâte de vous montrer. Et ouais, un beau petit plateau. Et là, on termine par une démo à 15h pour Invaders dans l'auditorium. Donc voilà. Non, c'était cool. Ça permet de revoir tous les copains, de découvrir plein de nouvelles choses aussi, parce que mine de rien, pendant le confinement, il y a plein de marques qui ont émergé. Je pense, il y a plein de gens qui se sont lancés. Donc c'était cool aussi de voir un petit peu tout ça. Là, les gens autour font, tu sais, vous voyez pas, mais ils font un grand tour, ils regardent, ils sont en disant, ah, ça a l'air d'être sérieux, ils ont une caméra, des micros et tout. C'est le journal de 20h, bonjour. C'est BFM TV. Donc c'était vraiment formidable et c'était trop cool de vous voir tous, sauf Swan. Et j'ai hâte qu'on remette ça, sauf Swan. Et voilà, on a tous passé un excellent moment, sauf Swan. Je suis gêné. Oh. C'était le maître au mot de cette soirée. Voilà. Voilà, ils sont beaux. Alors dans les commentaires, on s'aime en vrai. C'est les plus beaux. Bon, en tout cas, nous, on s'est éclaté sur ce salon. C'était vraiment super chouette. Bon moment. Comme disait Gaël, plaisir de revoir les copains. Ouais. Alors, c'est pas la première fois que je viens, mais c'est la première fois que je viens pour faire des trucs et. En tant que tel. On te connaît pas en plus, Anne-Sophie. En tant que tel. Alors, je suis guitariste dans un groupe de hard rock féminin qui s'appelle Jades, et je suis également co-auteur du podcast La Théorie des Cordes avec Monsieur Gaël ici présent. J'ai vu passer. Qui va revenir. Vous commencez pas à commenter des trucs en mode c'est conséquent, parce que vous voyez, on est ici, on fait des choses, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps. Et voilà. Et je fais un peu de bruit également sur une 6 cordes dont j'ai le plaisir de montrer à tout le monde ici même en salle Blin à 15h. Génial, voilà. À 15h, donc tu fais la démo Invaders avec Gaël. Exactement, et voilà, je suis donc artiste Invaders avec mon propre ampli. Bon, on leur dit 15h, mais ils savent pas de quel jour, parce qu'ils vont peut-être voir ça dans 2-3 semaines. C'est dimanche, vous êtes pas là et vous avez tort. Bon, on s'est bien marré, j'espère que ce vlog ressemblera à quelque chose. Non. C'est dit. Et on a hâte de vous retrouver du coup pour la prochaine édition du Paris Guitar Festival. Et j'espère d'autres salons sympas en France peut-être. Carrément. On verra ce qui se passe. Ouais, on va faire ça. Une grosse bise, et à très vite. Et moi, bisous. Ah ouais, carrément.